Et tu en fais combien à la fois? Nous, on a accroché là les tirages là, ouais. Les nombres d'exemplaires tirés. Tu en fais combien par jour? Hier, on a fait 220. Les présentations, vous êtes, mademoiselle? Je suis Natacha Vassilievitch. Ah ouais, et donc c'est vous qui avez eu l'idée de faire le journal de... Non, c'est l'idée de Thomas. C'est une idée de Thomas? Oui. Et vous a choisi selon quels critères? Le texte. Comment? Le texte. Oui. C'est lui qui dirige ou vous, vous faites non, simplement c'est un travail de... Mais voilà, on le collage. On a le texte des intervenants. Donc ouais. Je lui demande à me donner les textes qu'ils vont utiliser pour leur intervention, soit les textes qu'ils ont écrits, qui sont inédits, et voilà. Et donc ça, ils ont les textes. D'accord. Et alors le journal d'aujourd'hui, il est, c'est quoi le... C'est pour demain, c'est un flamme oui, éternel. C'est l'édito. Et c'est quoi l'édito? Les fauteuils? Ah ouais. Donc en réalité, le journal est nourri des articles de presse. Il est nourri des articles, voilà, des feedbacks qu'on a sur l'exposition, des propositions qu'on a des visiteurs, des intervenants, on mélange un peu tout. Et hier, c'était qui, là, le philosophe? Le philosophe qui est intervenu hier, il s'appelait comment? Markus Steinbeck. C'est lui? Ah, c'est Markus Steinberg. Ouais. Voilà. D'accord. Après, ouais. Margot, elle est intervenue il y a quelques jours. Donc, en fait, ce n'est pas l'actualité du jour, Margot, c'est l'actualité de la femme éternelle. D'accord. En général. Donc, le matériel qu'on va utiliser, voilà, ça, c'est un hommage à Maya Angelou. D'accord. Thomas, il est aussi intervenu. Voilà. Je peux en avoir un? Mais oui, bien sûr, c'est gratuit. Merci. Je vais le faire signer par Thomas. Il est où Thomas? Il est parti déjà. Ah, il est là. Donc Thomas... Ça c'est quoi ça? C'est lequel journal? Oui, ça en est... En Suisse? Oui, je crois. Et ça a bien marché, Thomas, pour les... Ça, je ne dirais pas. Moi, je ne dirais pas que ça marche ou pas marché. Je ne dirais pas que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Moi, je crois vraiment qu'il faut inventer d'autres termes que est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne. Ouais. Moi, je suis heureux ici. Pourquoi je suis heureux? Comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ici, les questions de l'art se posent. La force de l'art, est-ce que l'art peut impliquer quelqu'un? Est-ce que l'art peut changer quelqu'un? Est-ce que l'art peut transformer quelqu'un? Est-ce que ce travail peut impliquer l'autre? Est-ce que ce travail peut engager un dialogue ou une confrontation à l'autre? C'est ça la question. C'est pour ça que je suis heureux d'être là. Mais de répondre par le positif ou par le négatif n'est pas possible d'abord. Parce que je suis en train de faire le travail, je ne suis pas dans l'analyse de mon travail, je le fais à chaque instant. Et deuxièmement, je ne suis pas le comptable de mon propre travail, je suis l'artiste. Mmh. Et alors demain, qu'est-ce qu'il y aura? Tu ne sais pas encore ce que tu vas mettre. Alors demain, il y a un jour férié. Ah oui, donc c'est bien. Genre, demain, il y a. Un blanc. Demain, il y a le mardi, la seule journée dans la semaine où le palais de Tokyo est fermé au public, et donc flamme éternelle aussi. Et donc tu vas dormir toute la journée? Je ne vais pas dormir toute la journée, je vais aller dans mon atelier, et je veux me consacrer à ce que j'aime le plus, c'est penser à des projets futurs. Et je viens de trouver la réponse là. Ah. Ne partageons pas les richesses. Mais c'est quoi encore?
mais la richesse. Ah, bien, bien, bien. Tu as vu dans la tente, Non, c'est moi qui viens d'avoir l'idée maintenant. Je ne suis pas sûr. Hein, elle existe ? Il y en a un autre qui l'a trouvé ? Non, dans la tente. Parce que toutes les citations sont des citations, voilà. Soit des philosophes, soit effectivement des manifestations. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, cette idée ? Ne partageons pas les richesses, mais la richesse. Belle idée. Mais si tu veux vraiment savoir, pour des raisons d'archives ou autres, dans la tente, à côté du bar, et toutes, parce que je te dis, c'est vraiment... Elles sont toutes là. Oui, parce que c'est pas moi qui les ai inventées. Tu es d'accord avec cette idée, Thomas ? Ah oui, je trouve ça magnifique. Alors, on va commencer maintenant. T'as pas 100 balles ? Je te dis, pas de commentaires, pas d'opinion, pas d'informations, et pas des faits. Non, c'est... L'art, c'est sérieux, c'est pas du spectacle. Hein. Ouais. C'est clair. Dis, j'ai vu qu'il y avait Pasolini là, c'est l'image de. Ça aussi, c'était quelqu'un que tu aurais aimé rencontrer. Hein. C'est pas que j'aurais aimé rencontrer, j'ai rencontré sa poésie. Et notamment, nous, on a mis ici, dans le journal, l'image de Pasolini parce qu'il a écrit ce magnifique. Poème Les cendres de Gramsci. Et moi, j'ai fait l'année dernière le Gramsci Monument à New York. Et il est où ? Il est où ? Je peux voir où tu l'as mis ? Je sais pas. C'était quoi à peu près le numéro de Gramsci et le numéro 23 ? Je crois, non. Voilà, merci bien. Voilà. Donc, ça, c'est une édition spéciale. Antonio Gramsci, justement, parce que j'aime Antonio Gramsci. J'ai fait le quatrième de mes séries de quatre monuments à la mémoire de Gramsci l'année dernière, à New York, avec des habitants de Forest Houses, dans le Bronx. On a fait un travail, et donc c'est pour ça que ici il y a aussi des livres de Gramsci, que je connais maintenant mieux. Et il y a le magnifique poème de Pasolini, Les cendres de Gramsci. C'est pour ça que tu as vu son image. Les chaînes. Voilà. Le présent. Donc ça, c'est un numéro spécial que l'on a fait ici. C'est le numéro 23. Il est à vendre ? Il n'est pas à vendre. Il est gratuitement à prendre ici. Ah, seulement oui. Les numéros qu'on a déjà faits, il faudra les... Downloader, comme on appelle, il faudra les imprimer. Tu peux les imprimer gratuitement sur ton ordi. Sur ton ordinateur ou ici même, avec l'ordinateur, sur le site Flametta. Voilà. Merci Thomas. Bien. Alors l'édito du journal, c'est Monsieur Hirschhorn. Que pensez-vous de la situation actuelle ? Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle dans Non. La question, c'est pas ça. La question, c'est Monsieur Hirschhorn, que pensez-vous de la situation actuelle de... Bon, par exemple, de... Je le laisse. Non. Moi, je le laisse à ouvert. Ah, Monsieur Hirschhorn, quelle valeur accordez-vous au... Monsieur Hirschhorn, quel regard portez-vous sur les productions des... Monsieur Hirschhorn, où d'autres auriez-vous adoré réaliser cette... Monsieur Hirschhorn, quelle importance accordez-vous à la notion de... Okay. Tu vas me poser la dernière question. Tiens, la caméra, Thomas. Oh, je n'ai pas encore fait ce Alors, jeu. La dernière question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce film que tu viens de tourner ? Eh bien, écoute, ça fait partie des archives de Flux News. Je fais ça depuis que les caméras numériques existent, donc ça fait une dizaine d'années maintenant. J'essaye d'emmagasiner l'histoire. Je trouve que tu fais partie de l'histoire. J'ai passé 2 jours à Paris. Hier, j'ai passé toute la matinée avec quelqu'un, je ne sais pas si tu connais un artiste extraordinaire qui s'appelle Yona Friedman, qui m'a apporté beaucoup il y a 15 ans et qui continue de m'apporter encore. Je considère que c'est un élément, il est un peu comme toi, il est dans sa structure, il vit dans son musée quelque part, il fait partie intégrante de son musée.
Et je trouve qu'il fallait absolument, de passage à Paris, le rencontrer. Et je suis content de t'avoir aussi rencontré pour nouer cette... Et donc j'essaye, tant qu'à faire se peut, chercher des correspondances entre les gens que je rencontre. Les circonstances, quand tu es allumé, c'est ça la flamme, quand tu es allumé, les gens viennent toujours vers toi. C'est jamais toi qui viens vers eux. C'est ça l'art pour le moment. L'artiste croit toujours qu'il décide. En dernier recours, c'est toujours l'art qui décide pour lui. Tu as une autre question ? Non, merci. Très belle réponse. Très belle réponse, merci bien. Ah oui, moi je trouve aussi que c'est important. Ah si, j'ai 2 euros. Mais tant que j'y suis, je vais prendre une boisson. Dites-moi ce que vous voulez.